Depuis une dizaine d'années, Kiev est devenue une plaque tournante du clubbing européen. La capitale ukrainienne attire des artistes du monde entier et autant de touristes étrangers désireux de faire la fête. Deux raisons à cela peut-être, l'Ukraine est moins restrictive en matière de publicité sur l'alcool ou le tabac que dans d'autres pays européens et elle investit aussi plus d'argent dans le parrainage d'artistes désireux de se produire en discothèque. Nous, on a exactement les mêmes DJ qui jouent en Europe dans tous les plus grands clubs et tout ça. Donc l'Ukraine n'a plus aucun retard là-dessus. Même des fois, ils sont en avance. Disons qu'on arrive à inviter certains artistes qu'en France, par exemple, les clubs ne peuvent plus se payer à cause des honoraires très élevés qu'ils ont. Direction le complexe Arena de Kiev et sa boîte de nuit, Décadence. Ce club mythique et prestigieux est en pleine saison de fiesta. Il attire chaque année de nombreux touristes étrangers. C'est The Place to Be à Kiev. Il y a beaucoup de belles femmes, c'est une ville dynamique qui me rappelle beaucoup New York. Le centre est très fou, il y a beaucoup de monde qui court partout. Le public des discothèques s'est diversifié au fil des ans. Les étrangers vivant, travaillant ou visitant simplement Kiev sont de plus en plus nombreux. J'ai remarqué que près de 70% des clients de boîtes de nuit ici sont des étrangers. Je crois que c'est positif, cela permet de faire de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts et ça offre de nouvelles possibilités. Si les boîtes de nuit ne vous branchent pas, Kiev offre aussi de nombreuses activités et manifestations en plein air. Comme The Arts Picnic of Slava Frolova. Ici, l'art et la culture ukrainienne tiennent un rôle important. Outre des concerts, de nombreuses activités sont proposées gratuitement aux visiteurs de jour comme de nuit. Ici, vous avez tellement d'espace. Vous pouvez aller vous promener, flâner et ensuite revenir, prendre une tasse de thé ou de café. Vous pouvez rester ici pour la nuit juste avec un sac de couchage et un matelas. The Art Picnic of Slava Frolova à Kiev continue jusqu'à fin octobre.